c'est beau. Regardez-moi ça. Hein. Un vrai de vrai. Alors là... Oula. J'espère que le bâtiment sera plus droit quand même. Hein. Alors ce projet, c'est une deuxième église évangélique baptiste, puisqu'il y en a déjà une à rue Jean Mermoz, à Caen. C'est un projet qui a mûri depuis quelques années. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir sa concrétisation enfin. C'est un autre lieu de culte, puisque l'église dans laquelle nous sommes actuellement, le bâtiment, est devenu vraiment trop étroit pour la communauté. Que représente la communauté évangélique baptiste à Caen et qu'est-ce que cette église ? Alors à Caen, nous sommes entre 150 et 200 personnes quand il y a vraiment une grande fréquentation. Au moment des grandes fêtes, par exemple, comme Noël. Et l'église évangélique baptiste, bon, comme le nom l'indique, c'est une église, c'est-à-dire une communauté chrétienne, évangélique parce que, pour nous, le fondement de l'église, c'est la Bible. Il n'y a pas autre chose que la Bible. En tant que protestants, nous tenons à la seule autorité de la Bible. Et puis baptiste, parce que nous croyons dans la liberté de conscience, c'est-à-dire que les gens se décident librement et personnellement pour Dieu et donc ne se font baptiser que les personnes adultes. Nous ne baptisons pas les enfants parce que nous pensons qu'ils n'ont pas la capacité encore de comprendre les enjeux de leur engagement, mais un adulte comprend parfaitement et donc se fait baptiser pour s'engager dans sa liberté de conscience pour Dieu.